les amis, comment ça va? C'est Nono, j'espère que vous allez super bien pour une petite vidéo pédago. On va sortir la jolie petite Squire contemporary que vous connaissez déjà, si vous suivez mes vidéos. Le sweeping, c'est une technique qui est appliquée à la guitare et qui sonne super bien à partir du moment où, selon moi, on évite un petit piège qu'il est extrêmement simple d'éviter au début, mais dont il est un petit peu plus difficile de se séparer par la suite. Mais quel est-il ? Eh ben, je remarque en masterclass ou dans mes cours individuels que pas mal d'entre vous faites, si je puis appeler ça, une erreur, en tout cas selon moi un ralentissement du mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On va avoir un mouvement de main droite qui est guidé par le verbe to sweep, c'est-à-dire balayer. Au niveau des attaques, je remarque plein de fois, eh bien, le fait d'étaper chacune des cordes lorsque l'on joue par exemple un arpège en la mineur. Voilà, vous voyez un petit peu au niveau de la main droite que j'essaye d'avoir quelque chose de relativement fluide. Pas mal d'entre vous, et même moi fut un temps, j'ai tapé chacun des degrés. Il faut essayer de tracer, si vous voulez, l'arpège en ligne droite. Vous voyez à la main droite, hein. Que ce soit à l'aller ou au retour. Alors vous allez me dire, Nono, comment éviter la majeure partie des frictions lorsque l'on joue comme ça ? Eh bien, il faut éviter, bien entendu, d'avoir le médiator à plat pour avoir trop de matière qui freine le plastique. Il faut essayer, selon moi, d'avoir le médiator à 45 degrés, c'est-à-dire la moitié d'un angle droit. Vous le mettez en angle droit et vous diminuez de moitié si vous ne voyez pas vraiment ce que c'est que 45 degrés. Bah, vous savez, hein, vous avez fait des maths avec Pythagore à l'école. Selon moi, c'est la condition vraiment sine qua non pour avoir un sweeping qui soit efficace et qui puisse justement accélérer par la suite. Et ça, c'est vraiment, selon moi, quelque chose qui est vraiment très important de respecter pour essayer d'atteindre quand même ce qui est l'objectif un tout petit peu participatif à l'impression du sweeping, c'est-à-dire un peu de vitesse quand même. Essayez de ne pas vous mettre en micro-manche pour ne pas velouter votre son et vous donner l'impression que c'est rond alors que ça ne l'est pas. Il faut véritablement avoir cette impression-là sous le médiator, une sorte d'impression, si vous voulez, de surf, de roulement qui donne toute la fluidité au geste. Et ça, c'est quelque chose qui, selon moi, est très important. Alors, vous pouvez l'appliquer, bien entendu, sur l'arpège de la mineur, comme c'est le cas ici, avec tous les degrés, donc 1, 3, 5. 1, 3, 5, à nouveau, donc les triades. Ou alors, à n'importe quel arpège majeur, comme le do. Et en tout cas, c'est vraiment cette fluidité-là qu'on vise. La méthode pour y arriver, c'est tout simple, c'est d'avoir la sensation de traverser les cordes sans marquer les étapes à chacune d'elles, comme je vous ai montré au début. On essaye vraiment de presque laisser tomber la main avec la gravité, puis de la remonter avec un petit éventuel accompagnement de l'angle du médiator lors du retour. On peut un petit peu accompagner ça si on le souhaite. Il n'y a pas véritablement de position non plus empirique. Regardez Marty Friedman, même si ce dernier déclare un peu à gauche à droite ne pas sweeper, il sweep quand même, croyez-moi. Donc essayez vraiment de traverser les cordes, que ce soit sur 2, 3 ou 5 ou 6 cordes, et profitez un petit peu de la gravité descendante.
Si vous voulez aller un petit peu plus loin, et même beaucoup plus loin dans cette technique du sweeping, je vous signale que mon pack sweeping à 20€ est toujours disponible sur mon site www.neogeofanatic.fr. Vous allez dans les packs, voilà, et vous avez toute la proposition que je peux éventuellement effectuer. Il y a un pack spécial sweeping à 20€, et il y a aussi le Neo Classique qui en contient pour 10€. Donc dans l'un des deux, vous avez votre bonheur. Le pack sweeping reprend la technique depuis le départ quand même. Donc je ne saurais que trop vous conseiller celui-là pour aller du début de la technique, entre guillemets, jusqu'à la fin, avec en tout cas la prétention d'une maîtrise. Merci à Matt du TSR d'Arouin pour le montage. Je vous fais plein de bisous les amis, j'espère que ce retour aux vidéos pédagogiques vous plaît. En tout cas moi, je vous fais plein de bises à nouveau. Je vous souhaite bonne gratte et je vous dis bye bye. Tchuss.